Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une petite ouverture de courrier. Courrier qui n'a pas d'adresse derrière. Alors je pense que ça doit être Nani de la chaîne Nani Scrap. Voilà. Pas Scrap Nani, Nani Scrap. Alors elle m'a mis un joli petit washi. J'ai simplement ouvert comme ceci. Des petits cœurs, des petites étoiles, un joli petit washi ici où c'est le petit cœur et des petits brillants. Et la poste nous fait cadeau de leur timbre en ce moment, ce qui est super sympa. En plus, je sais pas, regardez bien les timbres. C'est sur le Covid. Voilà. C'est vrai que j'aurais pas pensé à regarder sur le Covid. Alors, vous avez ici ce qui est pas très sympa, des amandes hein, qu'on met sur les personnes. Remarque. Ah non, c'est pas sur les voitures qu'ils mettent les amendes. Ils mettent les amendes aux personnes sûrement qui n'ont pas de masque. Ça, c'est bien. Donc, à les mettre. Voilà, bien fait. Et ici, ici c'est... Je vois pas très bien. En fait, je vois pas trop le... Bon, allez, on va pas trop s'attarder quand même. Hein. On est là, c'était pour ouvrir le courrier, pas pour faire des trucs sur les timbres. D'ailleurs, en parlant de timbres, je vais faire un petit tuto sur les timbres comme ça pour une petite abonnée qui me l'a demandé. Alors, voyons voir. Je pense que c'est Nani, à mon avis. Alors, déjà, j'adore les emballages. Oh, elles sont jolies. Ah, elles sont jolies les emballages. Avec ces petites fleurs, ces petites décorations comme ceci. Ah, c'est bien fait. J'ai un truc dans ce genre-là, mais il n'est pas aussi beau. Alors, je pense que c'est la carte. Hein. Alors déjà, il est marqué merci. Ah, c'est peut-être suite au concours qu'on avait fait. Ça, c'est possible. Donc, on va voir ce qu'elle nous a mis dedans. Ah, déjà, sa carte, elle est jolie. Oh là, c'est épais. Elle est jolie, c'est sur le thème de l'automne, vous voyez, avec des petites feuilles comme ça. Oh, je crois qu'elle les a découpées comme moi. Ouais. Et là aussi, c'est joli. J'ai avalé un poil de chat. Elle vient tout le temps squatter sur mon bureau et du coup, après, j'ai des poils. Oh, c'est bien fait, ça. J'aime bien ça, moi. Regardez. Elle a accroché une petite enveloppe comme ça. C'est beau, son petit coin arrondi. Oh, ça donne des idées. Et vous voyez, c'est sur le thème de l'automne. On voit bien là sur le thème de l'automne. Alors j'ai baissé ma caméra. Hein. Donc en fait, il faut que je regarde en même temps ce que je fais parce que je regarde ça et je regarde pas ce qu'elle filme ma caméra. Enfin, c'est pas grave. Alors, on a son petit mot. Alors, c'est bien dit. Ah, c'est oui, c'est pour la participation au concours. Modèle unique. Dans la petite pochette, elle a mis des feuilles en tissu venues d'une copinette. Beige. Si tu as envie de les découper, moi j'aime aussi le résultat. Merci pour ton astuce. Bah oui, pourquoi pas, hein, si on peut faire profiter tout le monde. Elle va prendre bien soin de toi aussi, Nani. Donc, on va regarder dans la petite pochette. Je ne crois pas qu'elle se détache. Je ne vais pas tirer dessus. Et elle m'a mis des feuilles à découper. Oh, je n'ai pas ça, moi. Oh, elles sont belles. Oh, elles sont sympas. Hein. Ah, les petites comme ça, je ne vais pas le découper. Mais là, oui. Oh, elle est jolie, la couleur. Elles sont vachement sympas. Oh, j'adore la couleur des feuilles. Elles sont vraiment très, très, très jolies. Regardez-moi ça. J'adore cette couleur-là. Cette couleur. Je parle comme mes petits-fils. Regardez comme c'est joli. Elles sont jolies, tes feuilles, Nani. Oh, je te remercie du fond du cœur. Ah oui, ça fait vraiment très, très plaisir. Eh bien, Nani, merci. Merci, merci, merci. Ta carte, elle est super jolie. En même temps, je ne l'ai même pas fermée. Bon, c'est pas grave, hein. Elle est magnifique. J'adore. Puis j'adore les petites pochettes là, comme ça aussi. Hop. Voilà. Alors, ici, elle nous a mis des petites découpes. Et là, je ne sais pas. Je suis curieuse. Moi, j'ai regardé celui-là d'abord. Regardez comme c'est joli. Comment elle fait. Je sais pas comment tu fais pour prendre ce temps-là. Moi, j'arrive pas. J'arrive pas. Enfin, j'ai beaucoup de choses à faire, on dira. Et c'est vrai que... Allez.
Alors attention, hein. L'histoire des doigts. Toujours ces doigts qui bloquent là. Ah, je vais faire comme ça. Ah, voilà. C'est terrible hein, quand on a des problèmes comme ça avec les doigts et qu'on aime beaucoup faire du scrap. Ben voilà, c'est. Oula, il y a plein de choses. Ouh, ça doit être une attestante. Non, une ATG. Waouh! Sur le thème de la marine. Regardez, je vais en faire une série là bientôt d'ATG. Vieux bois, bateau, la 2 sur 5. Ah, pas mal. J'aime toutes les couleurs. Elle a été faite au mois d'octobre, le 7 du 10. Oui, c'est ça, c'est Nanny Scrap. Hein. Elle est jolie. Ah, oh, merci Blanche pour tes poils. Oh, oh, oui, ça c'est beau aussi, ça. Oh, une ATG. Oh, elle est magnifique. Oh là 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 là. Dans le style que j'aime bien, métallique, métallique. Un peu steampunk, hein. Ah, je steam. Regardez comme elle est belle. Oh, elle est magnifique, hein. On n'a même pas besoin de la décrire. Regardez. C'est métal sur métal. J'aime bien Annie parce qu'elle récupère plein de petits trucs et elle arrive toujours à associer le tout avec une petite clé qui pendouille. Et là, c'est un petit. Comme une petite plaque métallique. Hein. Une petite plaque métallique. C'est super joli, c'est super sympa. J'aime beaucoup. Je suis peut-être un peu trop près là, non? C'est super joli. Je vais le mettre comme ceci. En plus, vous voyez ces pochettes. Ça, c'est nouveau, ça. Hein. Je n'avais pas encore vu ça sur les. Ah, c'est bien fait, ça. Ah ouais, ça, c'est vraiment une bonne idée. Il va falloir que je tente ma chance là-dessus. Donc, je vous le mets là. Voilà. Ici, je pense. Ah! Ah non! C'est un chocolat! Les nougats, miam, j'adore le nougat, j'adore ça, un petit chocolat, une petite douceur, merci Nani, c'est super sympa, attendez, je remonte un peu, le pied, je ne peux pas le pousser plus loin, j'ai qu'un tout petit espace là, et du coup, et alors là, ah, c'est du tissu, ah oui, ça j'aime bien ce tissu là, c'est du canvas, et j'adore, alors par contre, je pense que c'est du canvas. Il me semble, là, tu me diras. Oh, elle est belle, la petite pochette. Et donc, elle m'a fait des petites... Alors, des petits... Ça y est, j'ai un trou, il y avait longtemps. Ça y est, le gruyère y est reparti, Nani. Des petits tags. Étiquettes, je dirais. Tiens, je pourrais m'en servir. Ça me donne des idées. Elles sont super jolies. Les couleurs, elles sont très très jolies. Alors là, c'est un rosé avec une clé. Là, c'est un vert d'eau avec des petits tickets. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et là, c'est un peu jaune, jaune citron, j'aime bien. Avec une petite horloge. Ensuite, elle nous a mis des petites découpes parce que je suppose qu'elle a dû faire ça pour tout le monde. Et ben, elle a du courage, Annie. Hein. Alors, toujours trouver l'ouverture du petit paquet. Nani, comment t'as fait pour le fermer, hein, s'il te plaît? Non, non, je ne vais pas devoir tirer ça, si. Attendez. Oh non, je ne veux pas. Je cherche l'ouverture, je ne voudrais pas l'abîmer. Comment elle m'a emballé ça? C'est un mystère. C'est un mystère. Non, c'est là, non? Attendez, je vais tirer ça. On va voir, hein, tant pis si... Ah, voilà, c'était ça. Alors, je vais vous enlever. Oh, elle avait plein de découpes. Ouais, pour Noël. Super, je ne devrais pas les faire. Ah oui, quand on a mal aux doigts, je vous dis, faire des découpes, c'est un calvaire. Un vrai calvaire. De l'autre côté, hop, parce qu'elle en a mis des deux côtés, hein. Toujours dans ces petites pochettes. Oh, génial!
Regardez, pour faire des petites enveloppes comme ça. Ah, génial! Vous mettez des petites attestampes. Ah, c'est super. Il n'y a plus qu'à plier. Voilà, celle-ci. Et alors la matière, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas du papier. Je ne sais pas trop ce que c'est. La matière, elle est vraiment agréable de toucher. Et aussi celle-ci. Là, par contre, c'est du papier. Mais ces deux-là, c'est pas. Ah, quoique. Non, c'est pas du papier, ça. Mais c'est agréable au toucher. Tu dois avoir le die sûrement pour faire ça, je pense. Et c'est sympa. Les petites étiquettes. Alors, moi, j'adore. C'est le genre d'étiquette où je mets mon tampon dessus. C'est bien. Comme ça, je ne devrais pas les faire. Vous voyez, comme là, j'ai de la misère. Comme tout avec mes doigts, c'est horrible. C'est horrible. Alors, je vous le dis, hein, mes doigts, on ne peut rien faire. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de remède. C'est la vieillesse. Non, il n'y a pas de remède. J'ai déjà été opérée et voilà, on ne peut plus. Un beau panel de petites étiquettes. Hop. Là, c'est pareil. Des petites. Ah, j'aime bien la matière. Hein. Il y a des bonnes matières là-dedans. J'adore ça. Regardez. Un panel de petites étiquettes comme ça. Oh, super. Nani, elle me mâche le travail. C'est génial. Hop, voilà. C'est génial. Et alors là, je suis ravie. Je suis ravie parce que je ne vais pas devoir faire des petites découpes. J'en ai là. Elle m'en a mis plein. C'est super, 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 super. Regardez-moi ça. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à les poser, les coloriser, les poser. Les coloriser, ça va encore. J'y arrive. Faire un peu de coloriage, j'y arrive. Oh, les feuilles. Oh, c'est joli dans ces tons-là, regardez. Faire un thème automne avec ça. Ah, elles sont jolies. Elles sont jolies comme tout, les feuilles. Ouais. Elles sont très très jolies. Tout des petites feuilles. Nani, je te remercie du fond du cœur. C'est vraiment très 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 sympa. C'est super super sympa. Je te remercie beaucoup beaucoup. Voilà. Tout ça. Alors, on est. Parce que la vidéo ne sortira pas tout de suite, donc je vais vous dire, on est le 14 novembre. Donc j'aurais quand même dit par courrier, comme quoi j'ai reçu, par mail, comme quoi j'ai reçu son courrier. Je la remercie du fond du cœur, je la remercie infiniment. Alors voilà, j'ai pas mal de demandes de tutos. Je vais essayer de faire le maximum, hein, mais j'aurais voulu faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais bon, voilà, je ménage mes petits doigts. Et donc ça sortira au fur et à mesure. Je vais les faire à mon rythme. Hein. En plus de ça, il m'est arrivé une petite bricole. Je me suis fait mal à la jambe. Du coup, je suis sous piqûre. Je me suis fait un hématome gros comme un œuf. Et du coup, je suis obligée de rester assise et plus avec ma jambe allongée. Donc du fait je suis moins à ma table parce que là en dessous je ne peux pas allonger ma jambe et du coup je scrape un peu moins. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, j'aurais voulu voilà, que ça n'arrive pas. Mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, n'est-ce pas? Les bêtises des fois elles arrivent sans crier gare. Et puis voilà. Enfin bon, je vais avoir alors les piqûres, je vais avoir les fesses comme des passoires. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, n'est-ce pas? Il y a plus grave, il y a plus grave. Voilà, mais c'est vrai que j'aurais bien pu me faire beaucoup plus mal que ça n'est. Enfin, bref. Sur ce, eh ben écoutez, je vais vous laisser. Nani, je te remercie mille fois du fond du cœur. C'est super gentil, les petites découpes. Je suis ravie, ravie, ravie. Ça va vraiment m'aider beaucoup. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite. Et je vous dis à tous à très vite pour de nouvelles aventures. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça monte, ça monte, ça monte les abonnés et ça me fait très, très, très plaisir. De toute façon, je n'arrêterai jamais mes vidéos. Voilà. Ni mes tutos d'ailleurs. Je vous fais des gros bisous à tous et à tous. Surtout, prenez soin de vous, couvrez-vous, ne faites pas de bêtises, ça n'en vaut pas la peine. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!